comment ça fait mal? Savez-vous comment ça fait mal d'être noir, sortir d'un autre pays? Ici à l'âge de 4 ans, je peux pas dire c'était plaisant. Première année c'était dur, premier jour c'était pire. Le racisme régnait, moi je le craignais. Je voulais pas y faire face, parce qu'il était contre ma race. C'est vrai, j'ai pas d'ici et ça me l'a souvent dit. Mais est-ce une raison d'agir ainsi parce que je viens de notre pays? En tout cas, je penserais pas, mais y'a des gens qui naissent comme ça plus jeunes. Je veux pas sortir de chez moi, je ne voulais pas qu'on me voit. Tout le monde se moquait de moi, y'a des gens qui m'ont blessé. Précisément des blancs qui m'ont fait chier. Pourquoi faites-vous ça? On est chez nous, alors retourne chez vous. Je m'en fous de vous, vous m'avez trop insulté. Là j'en ai plus cassé, ça serait plus drôle si on changeait de rôle. Sérieusement, je vous dis franchement, je m'en moque de pas être intégré, mais ça me choque de pas être respecté. Savez-vous comment ça fait mal? Savez-vous comment ça fait mal d'être noir, sortir d'un autre pays et d'être accueilli ainsi? Savez-vous comment ça fait mal? Savez-vous comment ça fait mal d'être noir, sortir d'un autre pays et d'être accueilli? On me comptait des blagues débiles avec une dague, ça leur était trop facile. Direct dans le ventre, direct qu'on sente pour y faire une fague profonde, puis disparaître comme un homme. Comme ça devenaient mes pensées à force de me faire insulter. C'est vrai, je suis différent, mais ça fait pas de moi un bad immigrant. Pour autant, j'ai toujours été jugé par ma couleur, non par mes valeurs. On me disait qu'ici tout le monde était égaux. Je me suis vite rendu compte que c'était faux. Quel regret que j'avais d'avoir quitté le Congo. On fait pas beaucoup de preuves de réalisme en disant mettons fin au racisme, car c'est quelque chose qui va jamais se faire. C'est comme dire mettons fin aux guerres. Je m'excuse si vous sentez offensé, mais mon but n'est que de vous faire penser que ce que je dis est sensé. Mais au moins à Limoilou y en a pas beaucoup, mais je peux pas dire qu'il y en a plus du tout. Mais ça, tout le monde s'en fout. Savez-vous comment ça fait mal? Savez-vous comment ça fait mal d'être noir, sortir d'un autre pays et d'être accueilli ainsi? Savez-vous comment ça fait mal? Savez-vous comment ça fait mal d'être noir, sortir d'un autre pays?